complètement le match, qui se permet même de troller allègrement. On va voir comment ça évolue, mais ça devrait bien se passer. Bien se passer. Qu'avec le corps de range, ouais, je me mets. Là, je suis bien. Ça joue où là? Dobrov, victime expiatoire contre Nakamura. Donc Naka est déjà qualifié, hein. Ce type Dobrov n'a pas le niveau, hein. Il n'a pas le niveau pour battre Naka, hein. C'est impossible. Il ne peut pas le battre. Donc on aura 90 minutes de 5 plus 1, 60 minutes de 3 plus 1 et le bullet si jamais Naka l'a déjà pas défoncé. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Naka va gagner. Naka va gagner sans aucun problème ce match. Il boxe 4 catégories au-dessus de Dobrov. Quand même. Merde, quand même. Non, ils sont. C'est pas. Honnêtement, c'est pas le même niveau. C'est pas. C'est un poids lourd qui. Poids, qui c'est un toute catégorie contre un poids mouche, tu vois. Bon, physiquement, peut-être pas. Mais aux échecs, c'est juste. C'est pas le même niveau. Si au Dobrov. Enfin, c'est-à-dire, c'est très faible. Dame C1, Dame E1, ça veut dire. Dame C4, 3G2. Incroyable, Naka! Ah, oh, et Dobrov qui tombe! Il est tombé, Dobrov! Ah, oh, il est tombé! Victoire de Naka! Ah, oh, il était mal, Ikaru, mais il montre que. Même en lui laissant l'avantage, Dobrov qui tombe, j'allais regarder un peu la caméra. Ikaru qui est mort de rire sur la caméra. Ah, il est espiègle, Ikaru. Il est espiègle. Ah, le petit sourire en coin d'Ikaru, ouais, il fait le petit sourire en coin parce qu'il était tellement mal. Il doit se dire, même ça, je le gagne. Même ça, je le gagne, il doit se dire. Ah, il se fait des petites têtes, il doit se dire, même à 10%, je suis plus fort. Ah, il regarde l'écran à côté, il doit regarder la bourse. Il doit se dire, est-ce que le Dow Jones monte ou il descend? On ne sait pas. Issou. Ah, il a l'air d'être un peu dégoûté de jouer, hein, franchement. Il est espiègle, Ikaru, il se marre. Ikaru. Ah, Ikaru qui l'a joué tranquille et mort de rire. Ah, ça se voit qu'il force pas, hein. Bon, ce qu'il réussit à faire, Naka, c'est jouer beaucoup plus vite que son adversaire. Ouais, j'étais sûr qu'il fera un coup d'attente. Et fou, hein. Issou. Issou. Là, il va faire Issou Night Club, Naka. Issou. Ouais, regarde. Issou Night Club. Ah, regarde, il est même dégoûté pour Dobrov. C'était le piège, ça se voyait qu'il allait faire roi A6 pour tenter ce piège. Oh, regarde, il a écrit au clavier un truc à quelqu'un. Il fait même pas que jouer, Naka. Il fait autre chose en même temps, hein, clairement. Alors, a été difficile et longue, mais Ikaru qui va prendre le point. Ah, c'est bien joué de la part d'Ikaru, qui aura dû tourner, hein, pour la gagner, celle-là. Il y allait. Ikaru. Ah, c'est bien joué. Parce qu'il écrit de temps en temps. Mais s'autoriser, hein, on ne sait pas. Non, mais c'est bizarre. Il est peut-être sur 4chan, j'en sais rien moi ce qu'il fait. Ouais, non, mais il lit quelque chose en même temps. Il fait autre chose. C'est clair. Là, il a lu sur l'écran. Il a fait un petit signe comme ça et il écrit. Là, il écrit clairement. Il est en train de chatter avec une meuf. Arrête, Ikaru sur Tinder. Ikaru sur Tinder, d'un côté et contre. Mais je crois qu'il est marié ou il a une copine en plus. Il va se faire dénoncer par Dobrov, ça va aller vite. Non, mais clairement, il regarde un autre écran, c'est évident. Alors, il est en train de parler sur le chat officiel? Non, vraiment? Bon, ok, Ludwig, tu peux m'envoyer le nofake sur Facebook? Attends, fais voir, j'ai le nofake qui arrive. C'est fou, ça. Ils disent, ils souhaitent tout slow sans déconner? Ouais, c'est génial. Oh, c'est extraordinaire. Oh, le Naka, oh, le niveau de Naka, c'est ouf. Les amis, c'est tout simplement ingagnable, mais Dobrov se met mal au temps. Allez, H4 échec, allez, Dobrov. Non! Non! Incroyable! Il perd même ça! Oh là 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 là! Impressionnant. Impressionnant. Dobrov qui va la tenir. Naka qui fait pas l'écart, hein, pour le moment. Il va prendre C2. Bon, roi D4, mais roi F3 et roi G3, ça suffit pas. Hein. Naka qui la gagne pas. Bon, il peut réfléchir autant qu'il veut, c'est nul, hein.
Ah, il s'est barré en fait, sans faire nul. Non mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, il s'est barré au shot sans faire nul. Non mais il y a vraiment un problème, il y a un contentieux, il y a quelque chose. C'est pas possible un tel foutage de gueule. Parce que là c'est juste nul hein. C'est vrai que tu en dirais ton niveau de non-respect, ouais. Mais là il va encore plus loin là. Regarde, regarde, il prend un marteau. Il est complètement fou Dobrov. Dobrov qui prend un marteau, il a pété un plomb aussi. He's gonna do back. Là, ils ont pété un câble tous. 1 million de personnes savent jouer aux échecs, donc vu qu'on est 6 milliards, ça veut dire que il y a 600 millions de gens qui jouent. C'est le chiffre officiel, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est vérifiable. Hein. Il me dit, quand je déplace des pièces. Alors attendez, ça sonne chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir, ça fera la pause. Oh, hi. Bon, ça va. C'était mon colis pour pouvoir faire mon vlog. Bon alors, on va faire tour 8. Ah, c'est... Ce genre de structure où t'as quand même un fou qui est un peu relou avec les noirs, mais ça doit rien être de grave. Est-ce que tu joues C5 et tu rentres dans des pions pendants ou pas? C'est 8 tour D1. Faut regarder les cahiers pro F2. Hein. Ouais, roi prend, dame prend, roi F1 et fou A6. Et je le sentais venir le cahier prend F2. Un grand classique du rire. Je pense que ça va aller. Pour Dobrov. Je peux sur A3 et ça va aller. Bon, Naka qui va lui jouer. Bon, c'est complètement nul, mais il va lui jouer. Ou pas, il s'est barré de nouveau. Ou il attend quelque chose. Non, mais il va la jouer ou il attend juste bêtement parce que ça le saoule. Mais attends, est-ce que ici il peut... Je vois pas vraiment comment Naka peut faire mieux que... Comment j'ai le fou. Dame G6. Wow. Alors attends, et sur fou prend E5, c'est quoi de lire? Fou H3, je pense. Et G3, mais il y a vraiment... Je pense qu'il s'est... Il va prendre C6 ensuite, mais... C'est le all-in, là. Ouais. Mais bon, il peut aussi juste faire cavalier prend, dame prend G7, d'ailleurs. Et un coup droit quelque part. Ok, il fait fou. Ah, il y a fou G3. Il y a fou G3. Oh, fou G3, on n'avait pas vu. Menace le fou. Peut-être fou G4, du coup. Il y aura du cavalier E5 sur fou G4, donc ça va pas. Ouais, je pense que c'est fini. Je mets, je mets une petite éval, hein, je préviens. Ouais, c'est fini. Ouais, bah oui, t'as raison. Ça gagne une pièce, tout simplement. Il a abandonné. Donc, c'est bien fait ou play, là, dans les complications tactiques, Naka. Je pense pas que ça dépasse les échecs. Non, ça, c'est pas possible. Mais il n'y a pas juste fou E3 ici? Je comprends rien là, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu masques quand même dame à un mat, hein. Bah il y a dame à un mat en un quand même, enfin bon. Ça pique un petit peu, ouais. C'est bizarre en plus. Ils étaient matés volontairement à tempo dépôt. Je pense qu'il a tué dame B2, roi B1 et il a oublié dame à 1 qui avait été coupé. Ouais. C'est pas très bon signe quand dès le début du match, tout le début des... C'était quand même assez joli, hein, faut souligner ce qu'a fait Naka. Oui, ben on n'en parle pas, mais il y a déjà 3-1, Naka qui domine le match de la tête et des épaules, qui a l'air assez facile. En plus, d'après l'ordi, il est encore plus favori en bullet, bien évidemment. Ouais. Et là, il prend déjà un lead sans forcer, il fait déjà des grimaces. Il a déjà les yeux en l'air. On sent l'échiquier, Naka. Ouais, regarde, ça, il est reparti. Regarde, c'est un plaisir. Non, mais c'est un sketch. Ouais, il est extraordinaire. Il dit, oui, est-ce que je mets fou en G2, en E2. C'est le circus express, Nakamura, quoi. Allez, ça y est, reparti, il fait ses petites danses. Non, mais quand il fait ça, il est insupportable. Je pense heureusement qu'il ne se voit pas, il y a deux joueurs. Et il peut le voir, hein, sur Zoom. Ah si? Il peut, s'il a envie, je pense qu'il se concentre à 100% sur l'échiquier, mais il peut le voir. Mais là, Naka, il est insupportable quand il fait ça. Oh, regarde, ça y est. Mais le pire, c'est qu'il fait ça aussi en classique, de toute façon, quand tu l'as en face de toi. Oui, il a abandonné, mais juste avec la dame contre le pion C. Ah bah il a justement fait ça en fait, dame B6, et il a abandonné dans le truc qu'on montait. Oui. Oui, parce que sur roi C8... Peut-être roi H3 juste. Ouais, c'est bon, roi H3.
Mais pour le chat, peut-être. Ouais. Si tu fais G1 dame ici, ça fait deux. Cette finale particulière sur roi C8, Ouais. G1 dame. Prise. Ah ok, tu pourrais prendre là, mais si tu fais ça. Ok, cette finale là pour montrer. Ça fait nul parce que si tu En rentres. fait, c'est un thème de pâte. Bon, c'est pas grave, on passe à la suivante. Mais... On n'a pas réussi à. à expliquer jusqu'au bout. Donc, du coup, il y a 3-2, c'est bien, ça relance un peu le match. Une victoire avec les noirs. Ouais, mais t'as vu de cette finale-là qui paraissait complètement gagnante, complètement finie. C'est vrai, je m'attendais pas à ce qu'ils trouvent de telles ressources. Les deux Alors joueurs attends. font confiance. Et donc là, il a mangé le fou, non? Putain, il refait F6? Alors là. Faire un replay de la Attends, partie. il veut rentrer dans ça? Mais ça, on avait. Cavalier F6. Mais c'est intéressant, pour la peine. C'est marrant du coup qu'il y ait une espèce de débat, les deux croient en leur position ici. J'adore Ouraken. Le vrai score est de 4-1 pour les nouveaux arrivants. Ne faites pas Ouais, confiance à l'affichage. Plus 1 Ouraken 92. vieux. Ce serait beau à la fin du match que Et qui Naka. déclare ça. Ouais, même il perd en finale. Oui, non, en fait, je suis qualifié en finale. J'ai gagné le match. Je veux l'argent du premier prix, j'ai gagné le match. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui n'étaient pas en discussion, c'est juste Naka qui troll parfois sur les scores et qui donne ses propres scores, quoi. Justement, on va voir. Va voir ce qu'on a qu'à trouver. S'il y en a bien qui peut trouver une idée ici, c'est lui. Après, il peut juste tourner. Ça, il est très bon. Pour ça, Naka, Tu c'est vois, tourner, tourner, tourner. déjà là, E3, est-ce que c'est vraiment une bonne décision? Ouais, finalement c'est Nepo qui lui choisit de changer la nature de la position en avançant ses deux pions d'une case. Ça, je pense que c'était une connerie, honnêtement. Moi je suis pas fan dans le sens où maintenant le fou blanc rayonne. Ouais, il fait ça. Regarde la dame. Elle touche à rien, elle touche là. Ouais, j'aime pas du tout non plus hein, ce... Et maintenant, dame H5. Ton pion H7, tu peux plus le défendre. Et c'est Ah maintenant les mat. deux fous tapent sur le Ah, mais roi, c'est donc mat il y a un imparable. vrai gros problème. Roi G8, fou prend H7. Dafou Il a B6, dame complètement H5. craqué là, on dirait non? Ouais, c'est. Enfin, là, c'est mat. Hein. Enfin, y a rien à faire. C'est dame E4 seul coup, en réalité, je pense. Non, mais c'est ridicule. Enfin, Naka, il faisait juste dame E2, dame E1 et. Ok, tu pouvais toucher à rien, attendre. Ça, 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 mais ça, non, c'est pas gagné. ça devrait être nul, hein. Ouais, les pions, ils s'arrêtent assez facilement. Ouais. Et ça peut même perdre pour les blancs, je pense. Dans l'absolu, t'as pas envie de Ouais. rentrer là-dedans. Dommage que cette partie, on a l'impression que les pauvres. C'est joli le cavalier H3, machin. C'est super joli hein, comme perpète. On a de la chance. Attends, ah oui, nul parce qu'il a laissé le fou avec le mauvais pion. Oui, Mais d'accord. en vrai, ça s'essaye peut-être. Parce que tu gardes le pion à H, t'essayes de mettre en zougzang. Ouais, j'y crois pas. Hein. Force à pousser le pion. Il va la jouer. Mais après, c'est oui, c'est parce que tu te retrouves pas avec des pions liés quand même. Donc, effectivement. Lié. Mais du coup, c'est Oui, bizarre. mais il a fait G4, c'est bien joué. Il y a plus de zougzang. C'est marrant, que, comme on parlait de tennis juste avant, c'est genre Nadal contre Un Ferrer sur des espagnol, rematchs. ouais. Ouais. Bon, là, il va tout le temps perdre. Parce que déjà, il y a quand même la notion de mort subite si jamais tu fais une erreur dans une partie, alors qu'au tennis, bah, tu perds un jeu, tu perds un jeu, tu gagneras quand même le set et le match. Donc, Bah, le truc, c'est qu'en vrai, au tennis, il y a beaucoup plus de points, entre guillemets, qu'aux échecs. Oui, voilà, c'est ça. Si tu dis qu'une partie, c'est l'équivalent d'un point, Ouais. au tennis, des points, il y en a, hein. Mais attends, ok, ça c'est hyper logique, mais maintenant comment tu défends? Alors, au pire, t'as un tour D1, Tour H1, H1, prend H1, dame F1 et et paire dame pair. prend et dame prend A7, regarde. Ah oui, dame prend A7 carrément, donc c'est peut-être au mieux. J'avais vu que le perpète à la base, mais t'as raison. Moi aussi, hein. C'est parce que tu l'as dit, je voyais le perpète, puis à un moment donné, je me disais, ah, la tour elle reste en l'air. Mais est-ce que ça gagne? Attends, on va regarder la variante. Et on est bon, Samy. Ordi, variante numéro 1. Variante d'ordi. C'est le ouais, il devrait le trouver si on l'a trouvé aussi vite. Ah, en fait, on l'a trouvé pour les mauvaises raisons de base. Ouais, c'est vrai. Oh Oui, non! non, Oh le dépôt. non! Même nous, on l'a trouvé. C'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Franchement, c'était pas très dur. Ok, il gagne quand même, heureusement. Il gagne quand même, et du coup, l'ordi disait 0-0 sur les autres variantes. Donc c'est Naka qui a dû contre-craquer, non? J'imagine. Mais il a joué encore, Naka. C'est pas encore fini, fini. Maintenant, Ouais. c'est fini, fini. Bon, après, il y a le pion C4. Sans pion C4, ok. Non, mais c'est incroyable d'avoir quand même raté. Honnêtement, bon, nous, on l'a trouvé à 2 et machin et tout, mais c'était pas si dur de voir la tour à 7. Ça fait plusieurs trucs qui ratent. Après, ce qui est dommage dans ce nouveau format, c'est que ça perd un peu le charme.
d'avoir bah, justement un mec moins fort, je sais pas, 22, 21, même qui peut jouer contre une superstar. Là, c'était un peu sympa des fois. Oui, et puis waouh. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est quoi le rapport matériel? Mais c'était quoi le tout début? Bah, c'était la même ouverture que Ça, Dave. et à Il quel a moment fait un ça va 4 au arriver lieu de du fou coup? D2. D'habitude, il faisait Ah. fou D2. Est-ce que pendant la pause, il la regardait avec l'ordi? Impossible, ouais. Et là, ils sont partis dans un truc de dingue. Où le rapport matériel, c'est deux dames. Donc, enfin, dame et C'est dame. surréaliste. C'est dame contre tour cavalier. C'est dame contre tour cavalier. Ouais, mon tour D1 injuste, mais était moins bien. Et tour F1, c'est La abandon. fin, c'est complètement foutu. Ok. Ouais, ça fait mal, Samy, parce que on dit, voilà, Nepo, faut qu'il revienne dans le match, il y a déjà plus 3 et tout. Et oui, bon, là, il y a juste. Et puis rien qu'à la tête de Naka, on voit que ça fait Bon, mal. regarde la surprise qu'on a Non pour des 3. Oh. tellement méprisant, quoi. Mais tu comprends rien, qu'est-ce que tu fais? Ouais, et là, c'est pas mal, il veut D2, fou prend, et fou prend H3 échec, déviation. Et là, il a 12 pions de moins. Maxi à faire, D2, fou prend H3, tour prend F1. Là, c'est élémentaire pour Abandon. faire ça. Et ça fait plus 4 et ça fait mal. Samy, ça Ça fait fait mal. mal. Ah bah, la tôle d'entrée avec les blancs, avec deux dames sur l'échiquier. Tu perds au moins 30 coups. Non, mais Naka, en plus, il est heureux là. Il faut laisser tourner Lève le. les yeux, non Regarde la tête qu'il fait encore. mais. C'est Lève les genre. yeux, quoi. Je suis sûr qu'il a dit Are you serious? Regarde, ça le fait marrer. Ça le fait marrer. Alors attends, tour D1 là, c'est pas. Je crois que Naka s'est fait. Là, il s'est fait retourner le cerveau là. Parce que le problème, s'il met son fou en E3, le pion Dame A 1 est et. quand même très menaçant. Là, il y a des échecs de partout, des dames F5 qui arrivent. Roi E7. Ok, il veut éviter tous les échecs et Dame E4 Abandon tempo. en voulant Et là, tuer. l'échange de dames, effectivement, était fatal. Bon, bah, c'est pas mal cette petite victoire. Ouais, mais il envoie F6. Est-ce qu'on peut pas jouer G6, réussir à jouer G5? Il peut jouer G5 peut-être, ou G6, Peut-être. ouais. Ou G6, oui. G6 sûrement plus précis, tu contrôles plus de cases. Ouais, tu fais un petit mur. Là, ça va gagner, hein. Ouais, Bah ça voilà, gagne, il revient pardon, à c'est deux vite. points. Il revient à deux points. Écoute, s'il gagne celle-là, il est vraiment dedans. Sur E5, je sais pas ce qu'il veut faire. Sûrement tour D5, contre Ouais, mais tour 6, D5, dame H6. D5. Et non, je suis bête. Naka propose nul et il abandonne, ouais. Bah c'est C'est l'upset. vrai, Hein. parce qu'il y avait dame H6, dame G7 mat imparable. Et donc. Trois de suite. Et donc, ça fait 3 de suite, ouais. Et c'est vrai que sur fou E6, il y a dame D8 et il te Bah tu fais des prend. échecs de Il a la partout, quoi, tour. Ouais, puis par il a la tour derrière. en l'air. Bon, il fait fou E6 quand même. Et sur dame D8, il veut roi G7 et il dit qu'il n'y a pas de découverte, quoi. Ouais, c'est ça. Et il a sûrement raison. Mais bon, il va être obligé de partir en H, donc il aura plus le contre-jeu. Ouais, sur la colonne H. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, non? Oui. Compliqué comme position encore. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en train de. Mais sur Roi Roi H7, il y a juste H7, il y a Dame Dame E6, et c'est E7, fini. ouais. Mais ça abandonne en fait. C'est pas du tout compliqué. Moi, je serais pas aussi serein, tu vois, dans une finale de Roi. Ouais, J'évite de te mettre peut-être. sur la mauvaise case, mais bon, ok. Ils sont tellement forts. Là, c'est. Et tu remarques qu'il change les. Regarde, il sait que Roi D6, ça va faire nul. Et il attend pour faire tourner la pendule. Non, ça j'aime pas, c'est chiant quand ils font ça. C'est sale, ça. Ouais. Regarde, il se boit sa petite eau, tranquille. Ouais, c'est ça, insupportable. Après, c'est le format du match qui autorise ça, mais. Il avait fait ça, mais de manière vraiment, je crois, sale contre un. Je sais plus contre qui c'était. De manière répétée. Grichuk l'avait fait contre Maxime, en tout cas. Et regarde, non, mais c'est impressionnant. Il accepte la nulle. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il a dû rater, fou français 3 sur Il va échec. falloir aller chercher ce perpète. Avant qu'il ne soit trop tard, mais il n'y a plus de perpète ceci dit. Non, parce que hein, il contrôle le 1. Il s'est fait quand même ramasser tous ses pions. Ouais, il en a perdu beaucoup là. Hein. Ça, Je c'est. pense qu'il en a perdu genre 3 ou 4 dans les 10 derniers coups. Ouais, puis il va perdre H5 là aussi. C'est clairement gagnant maintenant. Ça Je permet pense qu'il de. ouais, a mangé tous les pions, il va pas s'embarrasser. Ouais, parce qu'il n'y a toujours pas perpète. Contrôle. Il a bien joué là. Et maintenant, il envoie. Il va faire une dame.
Eh ben, il a rasé 6 pions en l'espace de 15 coups. Ouais, il veut essayer d'ouvrir. Il est fou là, ça commence à faire un peu peur. Ouais, mais cavalier F3 au prochain. Ouais, il envoie tous les pions. C'était peut-être pas une bonne idée de laisser E5. Non, j'ai l'impression que ça a plutôt mal tourné là. Ouais, et il est mal autant. Et la dame a plus. Et la dame a plus de cases. C'est terrible ce cavalier D4. Ouais. La dame a plus de cases ici. Ouais, ça, je pense que ça scelle le sort du match parce qu'il repasse à plus 5, il reste 12 minutes. Planter des trucs esthétiques. Bah, voilà, par exemple, tour prend H6. Cavalier F6, roi G7 forcé, cavalier H5. Est-ce qu'il mate vraiment là? C'est juste faire perte. Ouais, il me reste quand même mat. Tour G8, seul coup. Dame F7 et cavalier F6, menace dame et H7. Il a l'air dramatique. Hein. Ouais. Ah oui, il y a encore fou F5. Mais bon, il perd. Il a 12 pions de moins. Ok, il menace mat en 2. Ah, il menace 2 mat en 2. Non, parce que si un cavalier très beau, il se serait pris dame D2, dame D1, échec. Ouais, non, mais attends, il va peut-être se. Ouais, mais si ça marche. Parce que du coup, il reprend G8 gratuit. Bon, allez, faut la gagner quand même pour éviter l'humiliation. Ouais, au-dessus, tu rentres dans un truc qui est trop long. Ok, prend C6, il va faire quoi? Il va faire dame prend A6 et tour B7. Et il va gagner, hein. Voilà. Allez, c'est bien, ça, il revient à 4 points. Naka maintenant qui a gagné le match, grand seigneur, il abandonne direct. Et là, Naka qui va encore la perdre. Encore une finale avec une pièce de moins. Et beaucoup de parties comme ça avec des pions pour une pièce. Hein. Les joueurs ont même bien sacrifié depuis le début. Mais là, oui, là, c'est pour le coup vraiment facile. Il va jouer avec son roi. Non, mais là, je pense pas qu'il va pas attendre quand même. Non, c'est chum. Là, c'est chum. Oh, si Naka perd le match, j'ai envie de gueuler un gros chet. Mais il y a 17-13. Non, ouais. Mais attends, il y a 17-13. Non, mais arrête. Arrête, là, c'est chum. Non, mais ce qui est ridicule, c'est d'un côté, je te joue le temps, de l'autre côté, derrière, je te reprends pas la nulle. En fait, j'ai envie de dire que c'est l'attitude globale, en fait. Ouais. Qui est pas très, très cool. Il a écrit de se faire mater avec son grand F4, là. Malheureusement, c'est impossible. C'est en fait, je te rejoue ça pendant 10 plombes. Bah, je pense même en pratique, limite, les blancs ont plus de chances de gagner que les noirs, quoi, avec le pion. Non, mais en réalité, il te joue la pendule. Il joue ça pour faire tourner la pendule. Oui. Et là, il va être très heureux quand il va voir que le match est gagné. Regarde, on va le voir en direct. Il a pas encore compris. Ah non, on va pas le voir. 7-4, 5,5, 5,5. Je pense que je vais faire qu'il y ait des 5 et changer un cavalier et jouer la colonne, non? J'y avais pas pensé. Ouais, tu dois avoir raison. Enfin, ça a l'air fort du moins. Mais c'est hyper tentant de faire E5, E6 quand même. Cavalier F3, intéressant. Il veut faire E5 en force. Fais gaffe à te prendre B4 dame A7, hein. Mais il l'a fait. Ouais, mais. Je pensais que ça ne marchait pas du tout. Il n'y a pas un roi qui part en G3 là, genre roi H5 cavalier. Roi F1 qui a H5. Ouais, roi F1 qui a H5, il y a KG3 mat qui arrive. Ah non, mais KG5 échec. Ouah, cavalier prend 4, bien joué, menace KG3 mat. Ouais, mais ça marchait aussi sur roi F1. Oui, c'est monstrueux. Mais KG5, tu peux pas, il y a pion prend et t'abandonnes. Ouais, peut-être tu dois faire dame prend E4, filer la dame et perdre. Et perdre, ouais. Non, qu'il est fort, Naka. Oh, truc de ouf. Il s'est fait bien arnaquer. Hein. C'est quoi l'équipe adverse, Naka? Naka, Fedoseyev, Gousseinov, Moranda. C'est pas mal. Mais oui, bon. Oui, c'est pas mal. Hein. Mais bon, c'est en dessous de MVL. Je vais pas spoiler la compo. Mais pas qui jouera. Bah, c'est gagné, fini. Abandon. N'importe quoi. 2-0, Mathieu, le joueur d'origine philippine en sueur face au joueur d'origine japonaise. Ouais, c'est vrai que sur D6, tu menaces rien que les noirs, t'es cloué. Ouais. Genre, je peux bouger la dame. Genre, dame E. C'est la partie? Ouais, il vient de faire D6. Franchement, on dit tous les coups, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Mathieu, mais. Qui est tentant. Je pense que la finale les prochains, ce sera Bordy Cornette. Hein. Je dis tout de suite. Franchement, si on maintient ce niveau de jeu, c'est Naka et So qui commenteront, quoi. Very well played by the French players. Donc il va bouffer ça. Donc. Ok, il n'y a pas dame à 2 à cause du cavalier F6. Enfin, il n'y a pas. Peut-être qu'il doit. En tout cas, l'idée c'est. Attends, mais il peut pas juste
prendre et prendre là. J'aurais jamais fait ça avec les... Il veut jouer dame B3. Mais j'aurais jamais fait ça avec les blancs. Cavalier aussi. Ouais, tu... C'est chaud, attends, on va voir ce qui s'est passé. C'est chaud les amis, fou prend prise, dame prend C5, dame B3. C'est la partie, Mathieu. Écoute. Cavalier 6, donc. Désolé les mecs, hein, on vous spoil toutes les parties, on voit tous les coups, je suis vraiment, je m'excuse auprès de vous. On n'a pas vu, mais il veut jouer tour B6. Non, mais je m'excuse vraiment auprès du public, Mathieu, c'est pas marrant d'avoir des commentateurs d'un tel niveau, Mathieu. Enfin, on n'a pas l'ordi quand même, faut préciser. On n'a pas l'ordi. On fait sans ordi, on a marre. Ah, tour H7, tour H4, il y aura tour 1, tour 2 mat. Ouais, donc du coup, tour H4, roi. Tour H7, obligé de roi G8, tour G1. Ouais, roi G8. Tour G1. C'est le seul coup, hein. Lançons mieux, tour G1. Oh, roi F6, il y avait tour F7 mat, les gars. Hein. Ouais. Attends, ici, je fais tour F2, tour H1, tour E2, tour H8, roi G7, c'est nul, quoi. Ah, mais tour F2, t'en prends B7. Non, mais il avait raison. Ça défendait B2. Mais je pense qu'il va gagner avec les blancs, donc ça c'est une très mauvaise nouvelle pour nous d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est mort. Ok, G7 il va faire. Ah oui, mais tour F4, il y aura tour H1. Ouais, mais. Il y a tour H1. Ouais. Et tour H8 mat. C'est la partie ? Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais vu, il n'y a pas de nul donc. Ok, bon. Il domine, ok, cette fois c'était nul, c'était plutôt le résultat logique. Et il se fait retourner. Non, mais regarde, mais Naka qui fait des grimaces, et là regarde, et ça y est, c'est fini, c'est affreux. C'est une horreur, Mathieu. C'est reparti. Pour Naka, je pense qu'il faut vraiment pas mettre sa cam. Non, mais surtout, faut pas faire des débuts de match de merde comme Faisceau, excuse-moi, hein, mais. Non, mais regarde, ça y est, c'est insupportable. Il faut prendre H6, maintenant marche peut-être en idée. Oui, parce que vraiment, si vous prenez D4, il y a fou E3. Oui, c'est fini. Ça va faire 4 points d'écart pour le joueur. Ouais. Boum. Bah, ouais, ça va être pas très intéressant. Mais il se prend toutes les peaux de banane, ouais. Je pense qu'il a pas bien mangé. Il avait l'air fatigué, le petit saut à la canne. Tu penses au niveau du poulet qui n'a pas été ingurgité. Les haricots verts. Ah, ça a l'air fort. Ah, il les voit, les matins deux. Hein. On les a de nouveau. Il a l'air de dormir. Il reste 20 minutes dans la cadence. Non, mais je suis dégoûté du scénario quand même. Hein. Bah ouais, surtout que le début de match se domine. Après, ouais, c'est vrai Mathieu, s'il te plaît, il nous avait énervé avec cette Pro Chess League. Mais à la base. Mathieu, là, je suis un peu dégoûté. Ouais. Franchement, si c'est pour faire des jeux de mots comme ça, Mathieu, elle passe pas celle-là. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, le jeu de mots que tu viens de faire. J'ai pas fait. Ouais, on l'a fait pas, moi. Je pense que tout le monde l'a compris dans le chat, les mecs. Tout le monde a vu le jeu de mots de Mathieu, genre en scred. tu maintiens que tu l'as pas fait exprès ? Non. Bah, si, j'ai pas fait exprès. Bon, tu sais au moins ce que t'as pas fait exprès. Ouais. Ouais, bon, voilà. T'as quasi une pièce nette, là. Hein. Dame 2. Tu vas faire dame 2 ou dame C2, ouais. Et je juste fou E3. Naka qui craque. Étonnant de la part du joueur américain qui nous a habitué à mieux, Mathieu, dans cette compétition. Tout gagne, hein. Il fait A3. Ouais, bon, au bout d'un moment. On peut pas lui faire F7 échec quand même et qu'il y ait G5, genre c'est la même. Ah si, ça marche. Ouais, ça a l'air de marcher, hein. Ouais, c'est joué. Allez, ouais. Allez, Wesley. Qu'est-ce qu'il est précis, Wesley, quand même, là, quand il veut. Dame prend D6, dame prend A2, c'est ça déjà. Non, je suis dit, tout prend E7, dame G7, dame F7 direct. Et la finale, elle devait être gagnante. Ah oui, dans ma tête, c'est oui, un... Oui. Yes. Oui, non, on comprend. Et maintenant, peut-être F5. Dame C6, ok. Et G5. Oui, G5, petit. Mais oui, Mathieu, il va le mater. Mais oui, Mathieu. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué, Mathieu. Ouais, dame prend C3. Ouais, dame prend C3. Dame F2. Dame G3. H3. Oh, il est en train de tout lui faire. Et la finale de pion. Ah, pourquoi il fait pas dame. Ouais, parce que ça gagne. Ouais, ouais, ça gagne. Oh, extraordinaire. Extraordinaire, Mathieu. Extraordinaire. Ouais, c'est Faisceau qui prend le lead. Oh, Mathieu, il y avait 6-2, hein, 6,5, 2,5. On tirait la gueule à ce moment-là. Oh, il tire la gueule.
Et Wesley aussi qui fait la gueule. Je ne mène que d'un point contre un joueur qui n'appartient pas à cette compétition. On a rarement vu Saut dominer de cette manière. C'est assez violent. Prends H6. Ouais, dame prend E5. Ça devient n'importe quoi. Oui, t'as peut-être raison. Donc du coup, tour D3, je peux... Ah, tour E3, tu vas me dire maintenant, il y a le pion. What the fuck. C'est quoi ça? Cavalier H6 qui est G4, c'est quoi le... Mais même cavalier prend F7, ça se regarde maintenant. C'est et n'importe tôt. Quoi, non? Mais t'as du mal. Ah, t'as pas D4. Oh non. Oh non, c'est la partie. Roi F4 seul coup, non? Roi F4, mais... Ouais. Ah, il l'a sauvé. Ah, je suis deg. Et il a sauvé ça, ça c'est bien... affreux. Il avait bien joué. Il avait grosse partie technique. Et... Oh, mais le score, il reflète tellement pas le match. Ça reflète tellement pas, Mathieu. Il se fait déchirer dans les ouvertures, par contre. Il se fait déchirer, mais partout, quoi. Ça, c'est une déchirure, Mathieu. Tour G6, on va le dire. Ok, là c'est bon maintenant. Ok, allez, on vient à 2 points. Mais tu vois, là encore, hein, c'est... Ah, il a failli faire un peu retourner. C'est... Il a 2 points, il est là, il a quelques encablures. Allez, Wesley. Allez, petit. Pour que je vois combien de temps il reste. Ouais, il reste 21 minutes, ça va, il y a le temps encore, il y a le temps. Et peut-être tour ici. Ah, oh, il avait tout vu, c'est fou. Non, mais est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce que c'est que ce coup? Bah, il te dit qu'il veut te mater, non? Mais pourquoi? Ouais, mais si tu faisais échec, il pouvait pas aller en C4, il y avait qu'à E3 fourchette à la fin. Ouais, c'est bizarre. Non, mais il y avait H5 là. Ah non, H5. Il y a rien. Qu'il y avait... Uh-huh. Qu'est-ce qu'il est fort, Icarou. Ouais, c'est mat. Et tour F6 mat. Son truc, c'est qu'il a plus de vie qu'un chat, quoi. Genre, t'as un chat, bon, il a 7 vies, et Naka, je sais pas, il en a 14. T'as l'impression qu'il a, il a vraiment énormément de potentiel pour retourner les positions. Kasek, c'est fini, les amis. Oui, il a plus 4, 7 minutes, c'est fini, ouais. Ouais. Saut qui pourra vraiment regretter la portion 5 plus 1. Faut pas faire un pat, hein. Bah si, ça y est. Ah non. Mais non, j'ai 7 échecs. Bon, il revient un peu. Il est la fouine, hein. Ouais, c'est la dernière, Mathieu. Dernière. Ouais, plus 5, bah victoire. C'est la dernière, tu veux dire. C'était la dernière. Tout le monde a des mains avec moi. Ton chance. Encore. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Je bâtirai une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ça serait de bonheur. Tout le monde chante encore. Oh 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 oh, plus fort. Oh 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 oh, encore plus fort. Oh oh oh. N'oubliez pas de vous abonner. Le lien vous trouverez en dessous de la description. À très bientôt. Ciao.